قبل أن تبدأ الندوة الصحفية. نذكركم مشاهدينا بأن الأهداف الستة سجلت عن طريق إسلام سليماني بهدفين ورياض محرز بهدفين أيضا، لذلك هما في الندوة الصحفية. سيقول الكثير جمال بالماضي أطفئوا هواتفكم لتبدأ الندوة الصحفية. C'est par Slimani. Mbarok Alik, Slimani Islam. Ça nous fait plaisir, vraiment, merci ça nous fait plaisir. Merci. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? On peut avoir vos impressions d'être le recordman? C'est normal, c'est une fierté. C'est une fierté d'être meilleur buteur d'un grand pays comme l'Algérie. C'est Fakhr Liya, Fakhr Femilti, Fakhr mes parents, Fakhr l'Ouladi, Fakhr pour tout le monde. Et encore plus pour. Je voudrais juste féliciter les joueurs, les coachs et tout le monde qui m'a aidé à faire ça. Merci. Bonsoir à tous. J'aurais une petite question pour les trois. Je commencerai par le coach Jamal Belmadi. Une victoire assez large, encore une fois, au stade Mustapha Chaker. Belle victoire avant de se rendre à Niamey dans quelques jours. On imagine que ça sera une autre partie là-bas, ça sera dans des conditions plutôt difficiles, face à une équipe qui, lors de la première mi-temps, a été quand même à montrer quelques bonnes phases de jeu. Comment, justement, allez-vous aborder ce match retour? Riyad, aujourd'hui, encore une fois, une belle prestation. Un coup franc venu d'ailleurs. Un mot sur ta prestation, ta performance en équipe nationale depuis quelques matchs maintenant. Tu excelles, même si peut-être lors du précédent mois, ça a été un peu difficile. Et Islam, encore une fois, quel objectif as-tu désormais en équipe nationale après avoir battu ce record? Quelles seront un petit peu tes ambitions avant de raccrocher, disons, les crampons? Merci. Mes objectifs, ils n'ont pas changé. Pour moi, ce n'était pas un objectif absolu d'être meilleur buteur de l'histoire d'Algérie. Notre objectif maintenant, c'est la Coupe du Monde. On est là pour essayer d'aller à cette Coupe du Monde. C'est mon objectif et l'objectif de tout le groupe. Après ça, je pense pas que... Pour l'instant, je pense pas à décrocher. Je pense que mes prestations, bon, après, d'un niveau personnel, je pense que c'est pas en équipe nationale, des fois, surtout dans des matchs comme ça, plus important. Bon, on va pas essayer de toujours très bien jouer, toujours. Je pense qu'il faut aider l'équipe à gagner les matchs. C'est ce que j'essaye de faire à chaque match quand je mets ce maillot. Et voilà, comme j'ai dit, voilà, des fois, on peut être un peu moins bien, mais décisif, et c'est ce que j'essaye de faire, encore une fois, pour aider l'équipe à gagner des matchs et avancer. Salam alaikum. Effectivement, nous n'étions pas surpris de ce qui était capable de faire cette équipe-là. Je vous l'avais dit à la conférence précédente. Je ne sais pas si je vous avais rappelé un petit peu la physionomie du match qu'ils ont pu réaliser contre le Burkina le mois dernier, où ils ont encaissé un but, premier but à la 75e minute, sur un pénalty d'ailleurs. Et puis voilà, deuxième but qui est venu tout de suite après, que je considère un peu comme anecdotique. Mais sinon, le retour de match, ils ont fait vraiment une opposition très sérieuse, où ils ont posé pas mal de difficultés à cette équipe du Burkina. Donc on était largement avertis, très largement avertis. Ils ont enchaîné sur le match du Djibouti, où ils ont quasiment déroulé. Donc c'est une équipe qui a des capacités de vous poser des soucis. J'ai envie de dire, je me rappelle d'une stat que l'on m'a apportée, j'en ai parlé aussi à la conférence de presse précédente, d'une double confrontation dans les années 80. L'Algérie qui avait remporté cette victoire à Constantine 4-0, qui avait été perdue là-bas au Niger 1-0. Donc si là on n'est pas averti, que nous faut-il? Donc, le son? Je m'approche un peu. Donc voilà, donc on est très largement averti. On sait que les conditions
climatique, il fait très chaud, ça s'approche des 40 degrés. Terrain, j'en parlerai pas, c'est un sujet, notre sujet ça. Et un adversaire qui aura envie de prendre sa revanche dans cette double confrontation. Je ne pense pas, je voudrais pas, il faudrait faire des calculs, mais je pense pas qu'avec deux défaites en trois matchs, on puisse encore avoir l'ambition de finir premier, si tant est que c'était leur ambition. Donc, ce sera plus une question de classement, ce sera plutôt une question peut-être sûrement de leur part, d'orgueil et voilà, et vont sûrement se rappeler de ce match peut-être historique pour eux dans les années 80. Donc nous, on y va avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'ambition aussi. Salam alaikum. J'ai deux questions, une pour le coach, une autre pour Islam Slimani. Donc, coach, on a vu une première mi-temps un peu compliquée. Donc, elle a été légèrement débloquée donc, par le capitaine Riyad Mahrez. Et en deuxième mi-temps, on a vu tout un autre visage de l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement pour non seulement débloquer davantage le match, mais aussi le rendre plus facile? Une autre question pour Islam. Félicitations, donc vous avez réalisé quand même un record historique. En signant le deuxième but, quelle est l'image qui a percé votre esprit sur le champ? Merci. Islam. L'image de... Je pense que... L'image de toute ma souffrance. J'ai passé par des moments difficiles. Je veux dire... En club ou en équipe nationale, c'est un truc que, comme j'ai dit, c'était pas un objectif, mais je suis là pour marquer des buts. Et si je marque des buts, je bats des records. Mais c'est pas très important pour moi. Si je peux compléter un peu ce que, si vous me permettez de rajouter quelque chose à cette question, Islam, on va l'appeler, je sais pas moi, l'incompris peut-être. A compris, c'est une personne qui moi-même je ne comprends pas. Un joueur qui donne tellement sur le terrain, tellement généreux, et pas seulement que ça, puisque il a toujours marqué là où il a été. Et là, juste avec les chiffres ne mentent pas, avec ce record historique, ce n'est pas juste un joueur qui déploie une grosse énergie sur le terrain, qui vient vous presser, qui défend et qui court beaucoup. C'est un joueur qui marque des buts. Le meilleur buteur de l'histoire. Donc, j'ai jamais compris cette étiquette qu'on a pu lui poser. Je parle pas d'en dehors du pays. En dehors du pays, il est très très respecté et c'est pas pour rien. Si aujourd'hui il est à Lyon, s'il est à Monaco, Sporting, à Leicester. Donc voilà, les gens savent, les techniciens savent que c'est un joueur très important pour une équipe. Et nous, peut-être qu'on s'en rendra compte un peu trop tard dans l'avenir. Voilà, moi, j'en profite devant vous. Il sait ce que je pense de lui. Je savais, ça fait pas mal de temps que je vous ai dit qu'il allait battre ce record. C'était une évidence. Mais voilà, c'est tout à son honneur. C'est une personne, c'est un exemple pour moi. C'est un exemple pour tous ces joueurs qui évoluent dans le championnat algérien. Je leur dis, si vous avez un exemple à prendre, en tout cas à cette époque-là, c'est Islam. Beaucoup d'abnégation, zéro doute. Toujours en train de repousser ses limites, très forte personnalité, il croit en lui, et pour moi c'est un exemple, voilà. Donc félicitations à lui. Pour ce qui est de... Je vous l'ai dit, il y a une opposition en face de nous, c'est une équipe, je vous ai donné l'exemple de cette équipe du Burkina, qui est aussi une équipe solide, qui nous a pris quand même deux points. Donc c'est une équipe de qualité. Elle a été jusqu'à la 75e minute sur un bon terrain, ce qui favorise le football. Et malgré ça, ils ont été jusqu'à la 75e minute. Donc on savait qu'on allait avoir une opposition, qu'on allait avoir une organisation, des joueurs et une certaine capacité physique, capacité athlétique, fort sur les contacts, fort sur le volume, sur la course. Donc, il respectait assez bien tout ce qui est organisation.
Et le plus important, c'est toujours de ce genre d'équipe de bien les manœuvrer, de bien les faire courir, si je peux parler ainsi, et jusqu'à trouver les solutions, les espaces, les éternels intervalles que tout le monde recherche, et le décalage. Et puis voilà. Et puis donc c'est un truc sur lequel il faut comprendre que les matchs, ça ne se tue pas toujours en demi-temps. Les matchs sont une heure et demie. Les matchs, on les construit, on ça évolue dans le temps. Et puis chaque chose, et puis au fur et à mesure du temps, voilà, les choses quand on persiste et quand on insiste sur certaines choses, voilà, en demi-temps on a pu parler sur le fait d'être encore. J'ai plus demandé sur la qualité technique, un peu moins de déchets techniques. Ce qu'on a pu un peu faire en première mi-temps, mais il faut une certaine indulgence aussi par rapport à la qualité du terrain, tout simplement. C'était difficile aujourd'hui de produire du jeu, malgré que, voilà, moi, je ne veux pas m'éterniser sur cette excuse. C'est un fait, on ne peut rien y faire, je ne peux rien changer apparemment. Moi, j'insiste sur le fait que voilà, les joueurs doivent être encore plus concentrés et plus leur demander. Ils ont les qualités, puis voilà, ils ont fait le travail. Salam alaikum. Coach Abdelghani Laïb, la radio nationale, la chaîne 1. Coach, la conférence d'avant match, nous avons parlé de Ben Rahma. Nous avons dit qu'il n'est pas radi. برحمة يدخل بلايلي مي رغم هذا خليته يلعب تقريبا الماتش كامل اسكو هذه سي تي شانس لبن رحمة واحد اخرى باش تعطيه لا كونفيونس جو سي با كيفاش ولا دوزيام على لي جوار بالنسبه للعموره لعب كالكو مينوت اسكو بالنسبه ليه يعني ربح كالكو بوين عند المدرب اليوم مالغري سي سون برومي ماتش هيستوريك مع ليكيب ا بالنسبه لمحرز par rapport à l'adversaire numéro 1 dans ce groupe, le Burkina, qui a gagné aujourd'hui largement le Djibouti. Il est favori, je pense, le mardi pour le gagner encore contre le Djibouti. Est-ce que vous trouvez le match contre le Niger, le mardi, un tout petit virage dans ce groupe où on est obligé encore de ramener 3 points à Niamey? J'ai vu que le Burkina, ils avaient gagné 4-0. Je pense qu'ils vont, même si ça ne va pas être facile, ils vont gagner leur deuxième match. Un petit virage. Non, ça sera un match important comme tous les autres. Ça ne va pas être facile. Bon, aujourd'hui, on l'a vu, on a un peu. C'était pas facile en première mi-temps. Malgré que le terrain ne nous a vraiment pas aidés. Il faut qu'on sache que le terrain, il est très, 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 très abîmé. Alors. De la tribune ou de la télé, il peut paraître bon, voire très bon, mais il est presque injouable, si je peux me permettre. Presque injouable. Il y a du sable. Je ne comprends pas comment un pays comme nous et une équipe nationale, avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a ramené comme émotion pour ce peuple, qu'on puisse avoir un terrain de la sorte chez nous, c'est incompréhensible. Mais bon, on va mettre ça de côté. On l'a déjà dit plusieurs fois. Après, ouais, au Niger, ça va pas être facile. Mais comme j'ai dit, ça va être un match important, comme ça a été aujourd'hui, comme ça a été contre le Burkina. Et voilà, faudra aller se battre, il faudra aller gagner là-bas parce que c'est sûr qu'on peut pas se permettre de faire un autre faux pas comme on l'a fait contre le Burkina. Pour ce qui est de Saïd, Saïd demande, il est en situation de concurrence comme les Islam avec Bardad, comme les Riyad avec d'autres joueurs. Tout le monde est dans cette situation de concurrence. Après, il y a 11 joueurs qui doivent démarrer. Les joueurs que j'estime être le plus apte en fonction des différents matchs. Il y a une gestion aussi de cet effectif, de ce groupe, avec des matchs rapprochés. Donc c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de choses, mais en même temps c'est effectivement la possibilité aussi de laisser Saïd s'exprimer sur tout un match.
Aujourd'hui, il a démontré beaucoup de bonnes choses. Voilà, il lui manque un but, des buts, des gestes décisifs, des passes décisives. C'est comme ça qu'on juge les attaquants, les joueurs offensifs. Donc il est dans la continuité. Dès que il est là, il vient comme tout le monde. Il vient, il se bat, il est disponible pour le groupe. Il démarre un match, il est à fond. Il doit rentrer un certain temps. Ben il doit être prêt. Et puis voilà, c'est la vie d'une équipe nationale de, si je peux m'exprimer ainsi, de haut niveau. Donc voilà, il n'y a pas de place acquise, si ce n'est quand on a l'opportunité de valider, tout simplement. J'ai souvent répété ce mot-là. Donc on est content de sa prestation. Je pense qu'il aurait aimé terminer par un but, passe décisive, quelque chose comme ça. Mais il a été aujourd'hui important dans ce résultat. Ensuite, pour ce qui est de Hamoura, il nous a montré très belles choses à l'entraînement depuis qu'il est là. C'est un joueur qui a beaucoup d'envie, beaucoup de dynamisme, qui a vraiment envie d'aller loin. Voilà. Et il me semble que c'est un, je ne le connais pas tant que ça, mais il me semble que c'est un joueur qui a beaucoup d'ambition, qui est voilà, très, très serein et qui sur lequel sûrement nous allons compter dans l'avenir. Bonsoir coach, bonsoir Islam, bonsoir Riyad. J'aurais une question pour chacun d'entre vous. C'est maintenant la mode. Deux questions, trois questions par journaliste. On les a tellement peu qu'on en profite. C'est pour ça. N'abusez pas. On n'abuse pas, mais on profite un peu quand même. Islam, félicitations pour ton record, 37 buts en sélection nationale. J'aimerais savoir, justement, toi personnellement, qui parle tout le temps de motivation, d'esprit de revanche et de ce carburant qui te permet d'avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton évolution de jeu, que ce soit en club ou en sélection nationale, tu sens que tu es dans la meilleure phase de ta carrière, ou quand tu regardes dans le rétro, par rapport à ce que tu as pu vivre avec Vaïd en 2013 et cette efficacité devant le but, dans un autre registre de jeu? Pour Riyad, justement, on voit que lorsque l'équipe est en difficulté, le déclic vient souvent de toi. Moi, j'aimerais savoir justement comment toi tu pourrais l'expliquer, tant sur le terrain qu'en dehors. On le voit encore une fois, le Coupe France a des blocs, ça permet derrière d'un peu déroulé. Et pour le coach, justement, vous parliez avant le match de cette nécessité de gestion entre temps fort et temps faible. Aujourd'hui, ça a été un bon illustrateur avec des séquences de jeu en première mi-temps où on a senti l'équipe en difficulté. Est-ce que par rapport à ça, vous avez eu quelques doutes justement sur la prestation de vos joueurs et sur cette capacité à gérer ces temps faibles avant d'être un peu plus rassuré par rapport au contenu de la seconde mi-temps, notamment le fait d'avoir poussé le Niger à l'erreur avec trois buts sous coup de pied arrêtés et un but en CSC. Merci. Je pense que je dirais pas que je suis dans la meilleure phase de ma carrière, parce que je pense qu'en équipe nationale j'étais régulier, sauf à une époque mais je pense que j'étais régulier en équipe nationale. Après, c'est normal que je marque plus maintenant parce qu'on gagne plus, parce que je considère que je suis dans la meilleure époque des joueurs en équipe nationale. C'est pour ça, je pense que j'étais régulier. Toutes ces 9 ans, j'étais régulier. Ce qui a fait que je marque encore plus maintenant, c'est que peut-être on est dans la meilleure dynamique. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? C'était tellement long. On avait compris ça. Je ne sais pas si ça vient tout le temps de moi, mais comme j'ai dit, voilà, en Afrique, c'est pas facile. On ne peut pas dribbler tout le monde, on ne peut pas tout le temps faire la différence. Et voilà, j'essaie d'apporter ce que je peux apporter à l'équipe. Après, j'ai plus d'expérience qu'auparavant, j'ai plus de matchs, donc je sais quand même un peu gérer les moments difficiles. Mais voilà, il n'y a pas que moi. Quand Youssef il joue, Belaïli ou Bagdad ou Islam, ou même Saïd, tout le monde contribue comme il peut à aider l'équipe. Et je pense que c'est ça qu'il faut, ça tire le groupe vers le haut. J'en fais partie, j'essaye de tirer le groupe vers le haut.
Aujourd'hui, c'est vrai que c'était pas facile. Peut-être qu'il fallait un truc comme ça, un coup franc ou un exploit pour ouvrir le match. C'est ce qu'on a réussi à faire. Mais voilà, je pense que ça peut venir de tout le monde. Et c'est ça le plus important. C'est ce que le coach il a réussi à mettre en place. C'est que ça ne vient pas que d'un joueur, ça ne va pas toujours venir du même joueur. Après, voilà, c'est sûr que souvent ça vient des mêmes joueurs, mais pas tout le temps du même. Donc la question, c'était quoi exactement ? Temps fort, temps faible ? Temps fort, temps faible. Ouais, donc. J'ai dit, c'est ce match-là, il a eu sa construction, face à une adversité, une équipe qui pose des problèmes, qui a l'habitude de poser des problèmes, c'est comme ça qu'ils sont. Ils nous en poseront encore, sûrement, certainement, chez au Niger. On a su être patient, on a su, pas toujours le faire de manière parfaite, mais accélérer quand il fallait accélérer, temporiser quand il fallait temporiser. Après, c'est la recherche perpétuelle de chaque entraîneur, trouver toujours ce bon équilibre, pouvoir attaquer en étant quand même toujours en sécurité, éviter les contre-attaques, surtout contre des équipes comme celle-là. On a pu voir justement dans cette première mi-temps, c'est ça qui vous fait penser qu'ils nous ont posé des difficultés, c'est surtout sur ces contre-attaques et ces situations directes à la récupération de leur ballon. Voilà des situations que l'on travaille, que l'on veut éviter, puisqu'on est la plupart du temps dominant. Et quand on est dominant, les équipes le savent et elles s'organisent en fonction avec justement des contre-attaques, des attaques rapides. Donc il y a plein de choses à faire pour éviter d'être mis en difficulté. Après, vous avez parlé des buts, deux coups de pied arrêtés, trois coups de pied arrêtés. Combien de coups de pied arrêtés ? Trois. Donc pour arriver à là, déjà il faut savoir que plus de 50% des buts dans le monde, c'est des coups de pied arrêtés. Donc c'est un fait de jeu sur lequel il faut être performant aujourd'hui. Donc on ne va pas s'en priver, attention à ça. Tous les matchs, tous les trucs, ça ouvre des situations. Donc ça c'est un fait de jeu sur lequel il faut être bon. On ne l'a pas toujours été. Aujourd'hui il faut s'en féliciter. Et voilà, tout simplement. Donc continue à progresser, à toujours vouloir s'améliorer dans tous les secteurs du jeu, dans toutes les situations, avec le ballon, sans le ballon, voilà. Pour deux questions, Milo. Bon, bonsoir tout le monde, Salam alaikum, félicitations pour la victoire, félicitations Selam Slimani pour ton record. Coach, dans trois jours, on jouera à Niamey, avec une statistique un petit peu inquiétante sur les trois derniers matchs à l'extérieur, trois derniers matchs officiels, on n'arrive pas à s'imposer. Avec le même scénario toujours, contre le Zimbabwe, la Zambie et le Burkina Faso, à chaque fois qu'on mène au score, on se fait rattraper à la fin du match. Êtes-vous vraiment inquiété pour cette stat-là? Deuxième question pour Riyad Mahrez. Si vous permettez, on sort un petit peu du contexte équipe nationale, on parle de votre situation à votre club Manchester City. Sincèrement, qu'est-ce qu'il manque à Riyad Mahrez pour avoir plus de temps de jeu avec Manchester City? Merci. Bon, club, j'aime pas trop parler de club en équipe nationale, mais bon, je fais partie d'une équipe, d'une grande équipe, il y a des grands joueurs. Le coach fait ses choix. Pour l'instant, je joue un peu moins, mais ça fait partie du foot. Je reviendrai, Inch'Allah, je jouerai plus et il n'y a aucun souci à se faire. Pour ce qui est de cette statistique un petit peu noire, de ces trois derniers matchs dont vous parlez, il y a ce match de la Zambie, vous savez comment on est revenu avec un match nul. Donc, je ne vais pas prendre ça à part entière, j'estime que le travail il avait été assez bien fait là-bas. On ne peut pas éviter, voilà, des erreurs comme ça d'arbitrage qui pénalisent complètement et qui faussent complètement ce résultat. Donc après, il y a ce match au Zimbabwe, effectivement, celui-là nous avait fait pas mal réfléchir, surtout, et voilà, on n'était pas content d'un résultat comme celui-là. Bon, je ne sais pas si à ce moment-là on était déjà qualifié, peut-être, je ne me rappelle plus. Mais voilà, il y a plein d'éléments sur lesquels on a réfléchi à cette époque-là. Après, on a eu une sortie aussi, voilà, plus récente, qui est le Burkina Faso. On en a parlé assez longuement.
On a eu une sortie aussi en Tunisie. C'est peut-être pas un match, voilà, qualificatif pour une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique, mais qui reste quand même un match difficile à jouer, où il y a eu un résultat positif. Non, on se fait pas, on calcule pas ça comme ça. On analyse plus l'adversaire, à savoir le Niger, ce qu'ils vont nous proposer, comment on va pouvoir nous pouvoir donner et pouvoir voilà, travailler sur certains aspects, notamment avec ces matchs à l'extérieur. Et puis essayer de ramener ces trois points. Bon. Salam alaikum, question pour Riyad Mahrez. Riyad, on entame deux matchs très difficiles. Est-ce que par rapport à l'état de terrain, bien l'adversaire qui a été costaud aujourd'hui? Déjà, ouais, le terrain, c'est comme je l'ai dit juste avant, c'est incroyable d'avoir un terrain comme ça. Ça nous a pas aidé. Normalement, quand on joue chez nous, dans notre pays, on doit avoir un super terrain pour développer du beau jeu et mettre l'adversaire en difficulté. Mais sauf que là, en ayant un terrain comme ça, on les avantage. Parce que c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment bien les vieux terrains comme ça. Et voilà, on était en train de se battre avec eux. C'était pas facile. Mais malgré ça, voilà, on s'est fait perdre 2-3 fois, mais on a su quand même avoir la maîtrise. Après, il y a des matchs comme ça où on doit passer par des moments difficiles où on ne crée pas trop d'occasions. À l'arrivée, quand tu regardes le score, il y a 6-1. Donc c'est ça qu'on va retenir sur ce match. On a été réaliste et voilà, on avance, comme j'ai dit, et il faut continuer. Là-bas, ça ne va pas être une partie de plaisir. Je pense que le terrain il va être mieux qu'ici. C'est grave de dire ça, mais c'est une triste réalité. Et c'est la réalité qu'on vit maintenant. Donc voilà, je pense que on devrait faire un effort, un gros effort même, pour essayer de nous donner des meilleurs terrains, pour qu'on tire tous vers le même objectif et vers le même chemin pour aller à la Coupe du Monde. Et ça passe par ces détails-là. Moi, je voudrais parler sur ça aussi. Je trouve que, comme il a dit tout à l'heure, Yann, je trouve que c'est grave qu'un pays comme l'Algérie, on a des terrains comme ça. C'est pour aller en Coupe du Monde, il faut mettre tous les éléments sur Mdjihetina. Nous, au contraire, on a mis tout. Les équipes Ligi ou la Bohana nous donnent plus de force. Une équipe comme nous qui joue au ballon, qui produit du jeu, je pense qu'on n'a pas le droit de trouver des terrains comme ça. On vient une fois par mois pour représenter un pays comme l'Algérie, de trouver des terrains comme ça. Je crois que c'est une catastrophe, c'est grave. Benisbelia, c'est grave. Salam alaikum. Fala Hamza, organisateur du FENEC. Question pour vous, coach. On est passé en 4-4-2, 4-4-1-1 de la conférence de match. Ce système, on a joué avec en zombie, si je me souviens bien. C'était un système qui nous avait permis de jouer un jeu direct. Donc, par rapport au prochain match, Inch'Allah, comme on va jouer à l'extérieur, les conditions climatiques, Est-ce qu'on va jouer dans ce même système? C'est un système qui nous avait permis de jouer un jeu direct en zombie. Donc Lyon, ça nous a permis un peu de souffler pendant qu'on fait le match. Donc voilà. Bon. Raïs Mboulhi. Regarde. Je peux pas te dire ça. Il y a peut-être des... Ça fait 3 ans. À la belle, on ne parle pas de ce genre de choses. Ouais, je sais. Je sais, mais tu me poses la question, Roya. Je sais. Eh,
إذن هذه كانت ندوة صحفية للنخب الوطني معه محرز و